Salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bonus qui est un haul action. Donc, on a été chez Action hier et j'ai deux sacs. Voilà. Je vous dis, ce magasin aura ma peau. Donc, pour mon petit bobo, là, vous verrez ça dans le vlog dimanche. Voilà. Alors, on va commencer. J'ai pris du papier cadeau, donc j'ai pris 3 pour Noël avec des bobies. Voilà. Je ne sais pas dans quel sens vous les mettre. J'en ai pris 3. Ils sont très jolis. Et on en a pris un pour emballer les cadeaux des gosses, surtout ceux du petit, du filleul de mon mari, avec des pompiers. Voilà. Mon mari est un ancien pompier, donc quand il a vu le papier cadeau, il a dit: oh, t'as vu, il y a un papier cadeau pompier. J'y prends le pour emballer les cadeaux de Hugo. Voilà. Alors, j'ai pris des chipitos. J'ai une big envie de chips au fromage depuis un certain temps, et vous savez à quel point c'est difficile de trouver des chipitos. C'est très compliqué. Parce qu'il n'y en a pas en France déjà. Donc quand on va chez Auchan et tout ça, on n'en a pas trouvé. Donc là, chez Action, il y en a toujours et c'est des bigs. Alors ils sont encore meilleurs. Je crois que j'ai pris 3 paquets. Je crois qu'il y en a encore un dans l'autre. Et je vous montre comme ça vient hein, parce que j'ai pas les fois de tri. Alors, Georges, il lui fallait un classeur pour l'école assez large. C'est un 8 cm, je crois. Enfin, je sais pas. Je sais pas du tout. Je vous dis ça, mais. Enfin, je sais pas. C'est un classeur à anneaux, voilà. Il va en fallait un pour laisser ses cours à l'école. Alors, on a repris des tricks. Ouais, c'est ça. Crème oignon, parce que ouais, c'est au fromage qu'il y a les autres, ils sont dégueux. Mais ceux-là, ils sont divinement bons. Donc, moi, j'ai pris 2 paquets, chérie, j'en ai pris qu'un. Mais il a pris plus de choses, lui. J'ai repris pour mes petits gnomes que je n'arrête pas de faire et mes petits bricolages 2 paquets de pompons. Donc il y a 50 pièces, 150 pièces à l'intérieur, je crois. C'est pas marqué. Ça doit être marqué. Oh, je sais pas lire. Même chose que c'est noté sur le ticket. Bon, après, il y a les tout petits, mais Marise m'en a envoyé des. C'est que des comme ça, avec des petits filaments brillants. Et pour faire le nez, je trouve que ça va moins bien. Et il me manquait un peu quelques couleurs, notamment le bleu, le blanc, le rouge qui devient un peu difficile. Mais bon, pour le prix de toute façon là-bas. Hein. Deuxième tricheur. On a pris les nonos là à mâcher pour le chien. Voilà. Il y avait. On cherche de l'huile de saumon et ils en rentrent plus. C'est extrêmement chiant. J'ai pris 2 paquets de lingettes bébé. Voilà, moi j'utilise ça pour faire mes swatchs. Et il m'en faut aussi pour quand je sors les titis, quand ils viennent sur moi hein, et tout ça, sur la table, ou enfin partout où ils font pipi, caca, quoi. Voilà. Et de temps en temps, je m'en sers aussi pour juste nettoyer un peu les meubles où ils passent dessus. D'ailleurs, je changerai après, je vais mettre un œuf ici parce que je les utilise moins et descendre celui qui est entamé pour pas qu'elle sèche. Toujours pour les titis, vu que maintenant ils commencent à manger plus de potées, hein, vu qu'ils mangent tous les 4, mais du coup, dans mes petits coquillages que je leur mettais, il n'y avait qu'une potée qui rentrait dedans, donc les potées que je leur fais moi-même. Donc là, j'ai pris les plus grandes et j'ai pris 3 petites assiettes comme ça. Donc ils disent que c'est des trucs pour les hors-d'œuvre. Donc j'ai pris celle-là, celle-là et celle-là. Voilà, c'est des toutes petites assiettes. Et ça sera bien suffisant pour mettre leurs potées. Ce qui est bien, c'est qu'elles sont assez creuses, donc le jus restera à l'intérieur parce que. Comme c'est congelé, quand ça décongèle, il y a l'eau qui sort. Et c'est ce qu'ils consomment en premier. Ils boivent l'eau. Et bah toujours pour eux, je leur ai pris les mini marshmallows. Voilà. Je leur coupe en 2. Et en principe, ils en mangent un chacun, quoi. Voilà. Les mini, c'est plus facile que les gros. J'en ai pris des comme ça pour moi. Les tressés comme ça, la tortillasse là. J'aime beaucoup et les Haribo, ils sont extra bons. Alors, chérie s'est pris de nouveau un paquet de coconut rings. Donc, c'est des petits gâteaux à la coco, là.
J'arrive jamais à en manger, hein, moi, parce que tu t'enfiles les tiges d'un coup. Hein. J'ai repris des petits élastiques comme ça, parce que c'est ce que j'utilise pour faire mes headbands. Donc voilà, pour mettre juste un mini élastique pour avoir plus facile à les enfiler. Strix. Encore des roues de tout à fait. Il s'est repris ses fameux chips de banane. Banana chips. C'est toujours la même chose en fait chez nous. Je me suis repris ma fameuse paire. Enfin, j'ai pris ma fameuse paire de chaussons pour l'hiver. Voilà. J'achète toujours ça chaque année. En principe, j'en utilise deux paires hein, parce que je les abîme vite. Celles de chez Action, elles sont pas chères, mais elles s'abîment très 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 vite. Hein, les chaussons, pantoufles et tout ça. Voilà. Donc, je vais ranger mon petit bordel et on attaque le deuxième sac. Alors, chérie m'a dit, tiens, prends ceux-là pour goûter. C'est les chios, c'est les hashtag cheese. Donc, c'est aussi des hauts fromages un peu soufflés, comme ça. Donc, je goûterai, mais je pense pas que ça me satisfait. Je vais pas être aussi satisfaite qu'avec les chipitos, quoi. Mais on goûtera. Voilà. Il s'est repris ses fameuses flying saucers. J'aime bien parce que Georges est venu avec nous. C'est très rare qu'il vienne avec nous chez Action. Mais là, on a été le chercher à l'école. Il est venu avec nous. Il a dit, le caddie, c'est quasi que de la bouffe. Oui. Après, nous, on mange tout sur le mois. Lui, il mange tout sur la nuit. Hein. On a pris toujours pour les titis un méga paquet. Donc, normalement, c'est pour les oiseaux, pour mettre en extérieur pour les oiseaux. Mais nous, on a pris pour les titis. Voilà, je vais leur en mettre une dès que je vais descendre le paquet pour voir s'ils arrivent à les manger en les ouvrant. Ou sinon, on doit leur ouvrir. Mais voilà, c'est la saison, donc autant leur en mettre. Et il y a une grosse quantité dedans, il y a 255 grammes. Donc, je sais pas quoi. Mes fameux bifiroles. Voilà. Alors, quand je les ai vus, j'ai dit, oh, j'en veux. Des marshmallows au chocolat. J'adore ça. Ça fait hyper longtemps que j'en ai pas mangé. Et j'adore ça, surtout en hiver. Je sais pas pourquoi. Ils sont semblés celui-là en plus. C'est des Haribo aussi. Je mangerai pas ça plus en été et tout ça. Mais en hiver, oui, bien. Oh, mais il y a que de la bouffe. Des Kit Kat, il n'y avait plus les crunch, les chunky. Enfin, si, il y avait les blancs, mais je les aime pas, les blancs. Il n'y avait plus ceux au chocolat en chunky, donc j'ai pris des classiques. J'aime aussi. Hein. J'ai pris deux plaquettes de crunch, parce que c'est la base. Alors, je crois que c'est. Ah non, c'est pas le dernier pièce de bouffe, mais ça c'est chéri, moi j'aime pas. Il a pris un truc de mini-mix, mais je pense que c'est pour mettre en apéro pour les fêtes. Parce qu'on a les filles qui viennent le 11 et le 25. Il y a son frère qui vient manger ici, donc on a beaucoup d'apéros à prévoir. Il a pris ses gâteaux fourrés à l'amande et des cakes comme ça duo, chocolat et classique, quoi. Ça, c'est tout lui, hein. On a pris un os à moelle pour le chien, parce qu'il adore, bah, il mange juste la moelle. Hein. L'os, après, il va l'enterrer. Il mange la moelle et puis il va enterrer l'os. Le jour où on déménage et que quelqu'un veut racheter la maison, j'espère qu'il ne creusera pas dans le jardin. Parce qu'il va croire qu'il y a eu, qu'on était des tueurs en série, tellement il y a des os enterrés dans le jardin. J'ai pris deux paquets de serviettes de Noël. Voilà, puisqu'on a deux repas de Noël à la maison. Elles sont très jolies. Il y a tout qui se passe la goule. Pour les titis, pour les chichous joués, bon, j'en mettrai un aussi. Non, pour les titis, j'aime bien aussi, mais c'est beaucoup les chichous puisque c'est pour. Ils s'amusent à rogner ça. C'est des petites poupées en bois qu'ils appellent ça. Mais voilà. C'est du bois naturel, donc je leur prends toujours. Il y en a toujours plein chez Action. Et je leur prends toujours de temps en temps un truc comme ça pour qu'ils jouent avec. Et. et ils les rongent en fait. Ou alors ils les font rouler, ils les balancent dans la cage aussi, mais. Voilà, ça les amuse. Georges voulait une gourde en métal, sauf qu'il aurait bien aimé une de 1 litre. Là, c'est 500 ml. Donc, le jour où on lui trouvera un litre, il aura une plus grande. Mais pour l'instant, il fera avec celle-là. J'ai repris deux masques, parce que pour l'instant, j'en ai encore. Mais j'ai repris celui-là, comme ça, je vais pouvoir l'utiliser avant décembre. Je vais l'utiliser certainement ce soir. Et j'ai repris celui-là, parce que je l'aime beaucoup. Il tient bien sur la face et il hydrate bien. Donc, voilà. J'ai repris
deux flacons d'eau de rose, puisque je n'en ai plus en backup et que je viens d'entamer la dernière, donc comme ça. J'ai mon petit backup. J'ai repris des briquets comme ça pour les gosses, parce que eux, ils les bouffent. Je ne sais pas ce qu'ils en font, donc j'achète pas des jolis et des chers pour eux. Hein. Avec ceux-là, ça sera déjà bien. Et je me suis pris ceci pour moi, il y a paillettes. Voilà. Donc c'est les mêmes, sauf qu'au milieu, il y a un doré, et ici, c'est un blanc. Mais voilà, c'est de la pétouille, donc Mamie, elle est contente. Et pour terminer, on a pris, donc ça, c'est Chéri qui l'a trouvé, un bloc de prise avec deux grosses blocs de prise et deux USB. Comme ça, quand je couds, bah, je peux brancher et ma machine et là-dessus, mon éclairage, puisque c'est un stick à selfie, normalement, avec l'anneau et ce qui maintient le téléphone. Donc, vu que c'est une pince, je peux la bouger un peu partout, mais comme il n'y a pas de prise, c'est une prise USB, c'est extrêmement chiant. Donc, il a trouvé ça et ça va être génial. Donc, voilà. Et voilà pour le dernier produit. Et on est content. Et on a dépensé plein de sous. Voilà. Et à mon avis, j'ai pas fini, puisque avec tous les. Avec les fêtes qui approchent. Donc, voilà pour ce petit haul action. Ça va. Je veux dire, on a quand même été raisonnable. Hein. Bon, après, à part la bouffe. Mais ça, c'est toujours. C'est un gros problème chez nous, la bouffe. Hein. Gros. À chaque fois que je fais un haul, quand je fais le montage et que je mets les prix, j'ai encore de la bouffe. Mais encore de la bouffe. Ouais. Mais bon, on fait le stock pour le mois, vous voyez. Comme ça, on a de quoi bouffer devant la télé et compagnie pendant tout le mois. Voilà, voilà. Donc, n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve demain de toute façon, puisque du coup, comme il y avait eu la palette Interstellar, je vous ai décalé la vidéo, donc je vous la mets demain, c'est le bilan couture. Dimanche, le weekly vlog, vidéo lundi, enfin, voilà, vous verrez bien. Et puis, jeudi prochain, on attaque. Vous avez déjà vu le fond de Noël, du coup, mais je ne pouvais pas l'enlever pour faire juste ce haul avant de vous poster les vidéos de Noël. Hein. Voilà. Donc, je crois que je vous ai tout dit, donc il ne me reste plus qu'à vous dire bisous, bisous.